Elle se prénomme Cynthia. Depuis 2013, c'est avec un déambulateur qu'elle se déplace. Victime d'une agression physique par des inconnus pendant qu'elle rentrait chez elle après le travail. Suite à cette situation, elle reste durant 3 mois dans le coma. Ayant perdu un peu l'usage de sa voix et paralysée aux membres inférieurs, elle décide de sortir du mutisme. Cynthia joint sa voix à celle des activistes féministes engagées dans la lutte contre ces violences basées sur le genre. Pour moi, elle est guérie. Quand je dis elle est guérie, la guérison, elle est à l'intérieur d'abord. Et puis après, elle se matérialise, elle devient physique. Nous ne nous cachons pas parce qu'on s'est dit que j'ai toujours une vie après chaque situation. Cette rencontre initiée par l'ONG internationale Engender Health, dont la mission est de promouvoir et de défendre la question du genre, s'inscrit dans la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Ces activistes féministes entendent à travers ces réflexions réitérer leur engagement auprès du gouvernement dans l'élimination des VBG et à l'amélioration des conditions de la femme. Que vous soyez homme, femme ou enfant, chaque jour, il y a des personnes qui sont exposées à des cas de brimade, qui sont exposées à des cas de discrimination. Donc nous sommes tous victimes. C'est pour ça que c'est important de prendre à cœur ce thème-là. Tous unis, tous solidaires, tous activistes. Parce que nous sommes tous des activistes, qu'on le veuille ou non. Arrivé à un moment donné de notre vie, on doit pouvoir s'engager pour une cause. Et la cause la plus noble, c'est de s'engager pour les droits de l'homme et particulièrement pour les droits des femmes et des enfants. Pour la tutelle, la problématique des violences faites aux femmes et aux filles a atteint des proportions inquiétantes. L'on dénombre plus de 5000 cas de VBG pour les 3 premiers trimestres de l'année 2022. Nous participons pour montrer à toute la population, à toutes les femmes et les filles qui ont été victimes de violences basées sur le genre, à les inciter à les dénoncer. Et aujourd'hui, nous avons un numéro vert qui est le 1308. Et Madame la ministre et le Programme national de lutte contre les VBG se battent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Les acteurs dans la lutte sont invités à créer un environnement porteur d'espoir et de justice à travers des propositions qui seront faites à l'issue de ces journées de réflexion. Pour rappel, le thème retenu pour ces 16 jours d'activisme, tous activistes, tous solidaires, pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Cette initiative onusienne débute chaque 25 novembre pour prendre fin le 10 décembre.